Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus lu et le plus traduit dans le monde et peut être trouvé dans de nombreuses langues. في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. The word became flesh. He lived among us. Mais pour la rendre accessible à toutes les langues, la route fut longue. C'est dans ce processus que la figure de Saint Jérôme fut importante. Docteur en interprétation de l'Écriture sainte, philosophe, théologien et historien, il a réalisé la première traduction des textes originaux de l'hébreu et du grec au latin, la langue parlée par le peuple à cette époque. C'est pour cette raison que sa traduction fut appelée la Vulgate, c'est-à-dire la populaire. Et lui chiamava questa operazione. Saint Jérôme a qualifié son travail de retour à la vérité hébraïque, c'est-à-dire à la vérité des textes originaux. Del testo originale. Devant la connaissance que Jérôme avait de la parole de Dieu et devant la clarté de ses idées, le pape Damase lui confie la mission de traduire en latin les quatre évangiles, en étant le plus fidèle possible aux textes originaux. C'est à Rome que Jérôme achèvera la traduction des évangiles et une version des psaumes, traduit depuis le texte grec. Papa Damaso, lui andava molto d'accordo, ma con la morte di Papa Damaso. Il s'entendait très bien avec le pape Damase, mais avec la mort de ce dernier, il décida de quitter Rome. À sa suite, marchaient également quelques femmes qui souhaitaient se consacrer à l'étude de la Bible, à mieux comprendre et à prier, notamment une femme de la noblesse romaine, nommée Paola, avec sa fille Eustochium et une autre femme, également de la noblesse de Rome, nommée Marcella. Certaines de ces femmes décidèrent de suivre Jérôme. Et d'autres nobili romanes, comme Marcella, et alcune di loro decisero di seguire Girolamo. Après avoir quitté Rome, Jérôme se rend en Terre Sainte et découvre les lieux saints pour mieux comprendre les Écritures. Il décide alors de s'établir à Bethléem, et ce fut dans cette grotte située dans la basilique de la Nativité, près de l'endroit où Jésus est né, qu'il se consacre à son œuvre de traduction. Saint Jérôme a vécu à Bethléem pendant 40 ans et a consacré cette longue période à écrire de nombreux commentaires sur la Bible. Ses lettres sont également très célèbres et c'est ici qu'il a achevé la traduction depuis l'hébreu de tout l'Ancien Testament. De tout l'Antico Testament, de la langue hébraïque. La grotte est un lieu très visité par les pèlerins du monde entier, tous enchantés devant l'histoire de ce lieu. Je suis très heureuse d'être ici dans la grotte de Saint Jérôme, qui était si intelligent et si sage, au point d'avoir pu traduire la Bible et de répandre la grâce de Dieu en chacun de nous. La Bible est un trésor inouï, et je voudrais la connaître comme lui pour la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, et être vraiment utile au Seigneur. Saint Jérôme est mort le 30 septembre de l'an 420, à plus de 80 ans, et est devenu le patron de ceux qui se consacrent à étudier la Bible. Le saint a laissé un héritage inestimable au christianisme et un exemple d'une passion telle pour la parole de Dieu qu'elle implique d'y consacrer sa vie pour permettre aux autres de la connaître. Une phrase de Saint Jérôme rappelle l'importance de la connaissance des textes sacrés. « Celui qui ignore les Écritures ignore la puissance et la sagesse de Dieu, par conséquent, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. »